Les amis, est-ce qu'un jour un grand sage n'a pas dit « Il faut apprendre à rire de soi-même avant de rire des autres ». Il l'a dit, et aujourd'hui nous allons illustrer ce propos, en commençant par prendre une voix naturelle. Et arrêtez cette voix roule. Vous souvenez-vous de vendredi dernier quand on regardait des vidéos de nous-mêmes qui dataient de 5 ans? Regardez bien les basses, messieurs dames, regardez bien! Il y a eu quelques malaises, hein, quelques moments d'incompréhension. Et ben, je vous ai demandé sur Twitter de faire un best-of de mes malaises et de mes bides, parce que ouais, ça arrive même au meilleur. Pourquoi je perds des abonnés? Et quelqu'un a trouvé 10 de ces moments et les a mis dans une vidéo. Et nous allons la découvrir ensemble. Je suis prêt! Barbara Streisand. Gros patapouf qui nous présente ça avec la musique la plus vieille du 21e siècle. Blague de merde. Alors, ça, il y en a dans toutes les vidéos. Bon. Donc là, on est sur une spéciale d'Alsace, région natale de Sébastien. Là, il est né là, sur la droite. Là. Non, non, un peu plus bas, un peu plus bas dans la vallée. On parle pas des aides que tu as non, à la commune. Non, Ned Stark. Oh, ça commence bien. Tout d'abord, je présente mes excuses à Sébastien Loeb, qui, à cause de cette blague, a pris la décision d'arrêter de conduire des voitures. Non, ça va, c'est une blague de merde, mais ça, c'est pas trop malaisant. Ça passe. Il y en a dans toutes les vidéos. J'ai des amours d'air en faisant oh, c'était nul, oh, gna gna. Mais au final, on adore. Vous avez vu, je m'imite vachement bien. J'ai bien apprécié la cohésion de groupe dans le donjon avec Norman, qui est très important. Vous voyez le mot cohésion. Exactement. On en est là. Cohésion de groupe. C'est la première fois dans Cyprien Gaming qu'il y a eu une cohésion de groupe. Le jeu s'y prête. Le jeu s'y prête. On sait quoi. Le jeu s'y prête. Pas mal. Merci des proches. Mais on apprécie. Arrêtez. Ça me met mal à l'aise, ça. Non, parce que sinon je ferme ma chaîne YouTube. Numéro 3, réaction très chelou. Ah putain, là ça va être autre chose qu'une blague. Là je sens que ça va être dur. Et ça, ouais, parce qu'après le reste c'est un peu compliqué. Ça c'est pour rendre de la vie dans une zone. Ah, ça fait trop du bien. Ah non, c'était pas la réaction. Non, le mec il aime les glaçons. C'était pas la réaction qu'on voulait. Tu aimes les glaçons dans le dos? Ouais, grave. Ça fait trop du bien, mec. Cet homme est bizarre. Cet homme est vraiment chelou. Il aime les glaçons. Quelqu'un en veut? J'avoue, là, on est sur une échelle, non, sur un escabeau, on est sur un escabeau, là. J'ai niqué l'ambiance en disant ça, je l'ai pulvérisé. Ah, des fois, je devrais juste faire, ah non, ah, bien joué, Norman, ah. Je devais faire le mec, ça me prendra. Malaise numéro 5, gros bide. Ouais, le quatrième était nul. Eh, les gens qui parlent, on les fume, on les fume, on les fume, on les fume, on les fume. Eh, le Super Gaming, fait du bruit. Ouais. Voilà, je suis seul. Merci, merci mon collègue, m'a soutenu. Ouais. Voilà, je suis seul. Cyprien, je quitte Cyprien Gaming. Mais non, mais je voulais pas laisser cet homme bidé. Vous imaginez une seconde si je n'avais pas crié à ce moment-là. Si je n'avais pas sauvé Evic, finalement. Evic, tu dois mettre un pouce vert sur les 10 prochaines vidéos pour la peine. Malaise numéro 6, anecdote gênante. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Chaud pour passer une petite soirée de live tranquillement. Énorme. Super chaud. Et petite anecdote. Je pense que ça va être pas mal. Petite anecdote, cet homme s'appelle Mathieu. Et on a remarqué un truc, c'est que je lui arrive au téton. Donc c'est une belle rencontre, tu vois. Non, je pense que j'ai essayé de meubler, mais genre encore plus que quand tu viens déménager. Ça vous plaît ces métaphores de merde? Malaise numéro 7, scène de théâtre bizarre. Chérie, oh, tu es là. Oh, toi aussi tu es là, chérie. Comment tu vas bien? Oh, et c'était pété. Ouais, c'était sur un putain de live, on avait eu un gage, un truc comme ça. Il fallait qu'on reproduise une scène de théâtre de merde avec Yann et qu'on se fasse un vieux bisou. Tout ça devant une caméra bien allumée et bien en direct sur internet. Malaise numéro 8, petite humiliation. J'espère que c'est vraiment une petite. C'est pas mal le contraste. Deux sportifs de haut niveau et Squeezie au milieu. Mais c'est tous des pointures. C'est tout. Il faut savoir que David Louis lui a proposé de s'asseoir sur les genoux. Bien, mon petit. Allez, vas-y. Allez, vas-y, Lucas. Oui, allez, David, le moment humiliant, il le fallait. Bonjour, David. Allez, je vais là. Moi, je me suis assis sur les genoux de David Louis, ouais. Madame, j'avoue, je suis là avec mon tout petit corps entre les deux titans que sont David Luiz et Thiago Silva, je suis comme ça. Alors ouais, ouais, je ferme ma gueule et j'accepte de m'asseoir sur les genoux du papa, ouais. Malaise numéro 9, tentative d'imitation. Faire une Karima. Dès que t'as fini de parler, il va y avoir un petit silence et tout le monde va être à l'écoute. Vas-y. Et moi, je suis pas prêt à faire vas-y, ça. Vas-y, fais-moi une Karima. Allez. Oh, c'est Karima. Oh, attends, elle était trop loin avec moi. Allez, bientôt, allez, salut. Ah, celui-là, il fait mal. Ah, celui-là il fait mal. J'aurais dû dire non et pour les biens du live, pour vous je l'ai fait. Ah, je me souviens de ce moment. Je n'osais pas dire non à John Rashid et je vais lui faire plaisir avec sa petite Karima là. Mais je sais pas la faire. Ne dites jamais oui pour faire plaisir. Parce que derrière les conséquences, ce sera pour votre gueule. Regarde mon enfoiré de binôme qui m'aide même pas à me sortir de cette situation, putain. Tu vois, par contre, Yann, c'est là qu'on reconnaît les vrais amis. Ceux qui font oh comme c'était bien, alors que c'était de la grosse merde.
je vous emmerde, je rentre à ma maison. Ah, il tient le Cartman. Ah, j'ai fait la surcouche, quoi. Ah, j'ai mis la deuxième couche. Ah, mais j'étais une petite pile électrique à l'époque, hein. Numéro 10. Tentative de blague pourrie non assumée. Ouais, mais mec, si je passe par là, je suis content. Le coup de matraque. Le coup de matraque, pas très gentil. C'est pas super sympa. Et mais tu sais pourquoi? Je vous sens le son. C'est vrai. Le son, c'est quoi? C'est des ondes. C'est de ouais. John Archie, c'est encore ta faute ce qui se passe. Je voulais te faire plaisir, je voulais imiter quelqu'un que je sais imiter. Parce que John Archie adore imiter Jean-Claude Van Damme et il adore quand je l'imite en train d'imiter Jean-Claude Van Damme. Imitationception. Mais les réactions de mes amis n'ont pas été celles escomptées. On a Jimmy qui pousse sa joue avec sa langue pour gérer le malaise. Cyprien, mon binôme, toujours aussi content de m'aider. John Archie qui rigole parce qu'il a pitié de moi. Hein. Hugo tout seul qui est moins seul que moi pour le coup. Et Yann qui se cache les yeux devant ce supplice. Merci les gars, ça fait plaisir. Je vais plus live avec vous, c'est tout. Eh bien écoutez les amis, c'était court. Faut croire que j'ai pas trop bidé ces dernières années. Mais intense. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, que d'habitude je trouvais ça important de clore un petit peu cette série de vidéos où on réagit à des malaises et à des bides en réagissant à nos propres bides et propres moments de malaise. Il y en avait deux ou trois qui étaient surpuissants là, ceux avec John Rachid. En fait, faut plus que je côtoie John Rachid. John Rachid, je veux te bloquer de partout, je ne veux plus qu'on se voit. J'en ai marre de toi, dès que tu es là, je fais des bides. À dans 2 ans pour une autre compilation encore plus douloureuse, j'en suis sûr. Allez, merci d'avoir regardé, on se retrouve dans une prochaine vidéo, portez-vous bien. Ciao tout le monde, peace.